D'abord, entreprise vivante, celui qui a le plus insisté là-dessus à Sol, c'est Harry, The Living Company. L'entreprise est vivante, mais il a dit l'entreprise est vivante parce que il vient de Shell. À Shell, en 1970, nous étions complètement convaincus que l'entreprise était vivante. C'est un des thèmes centraux de Pierre Vac. L'entreprise est tout ce que j'ai dit laisse probablement penser qu'on peut prendre l'entreprise pour un être vivant. Y en a qui considèrent l'entreprise comme un système financier, mais c'est une tentative de récupération du vieux capitalisme par rapport à une société de plus en plus vivante, de plus en plus auto-organisée, autorégulée, autopoétique. L'entreprise est une société en grande partie auto-organisée, auto-régulée, et il faut qu'elle retrouve l'aisance de ses autorégulations dans le cadre d'écosystèmes divers dans lesquels elle devient consciente d'opérer. C'est pour moi et pour Sol, je pense, une évidence absolue. J'ai pas le sentiment que ça soit original de dire maintenant que la société est vivante, que l'entreprise est vivante. C'était peut-être original en 1960, mais c'est une. Et pourtant, effectivement, il y a la finance qui ne se. Bon, je pense qu'il y a, disons, dans la société dans laquelle nous vivons depuis le début de ce siècle, il y a un nombre considérable de gens ordinaires qui sentent les douleurs de la société, sentent les blocages de la société, sentent ce qui ne marche pas dans la société et ont envie de s'engager pour que ça aille mieux, dans leur sphère, dans leur petit environnement ou dans leur environnement relativement large. Et qui sentent qu'il y en a d'autres qui sont comme eux et qui ont tendance à se relier à eux et à se mettre ensemble pour réfléchir, pour bouger, pour faire avancer. Dans la recherche-action que nous avons fait ensemble à Sol, on s'est rendu compte que dans beaucoup d'entreprises, il y avait des agents de changement qui avaient envie de faire changer l'entreprise, qui avait le sentiment qu'il y en avait d'autres dans l'entreprise, qui commençaient à faire un peu réseau avec ces autres, à se mettre un peu ensemble pour, peut-être discrètement et en secret, peut-être de façon un peu plus visible, provoquer des changements qui vont dans le sens de la métamorphose. C'est des embryons de laboratoire de la métamorphose. Et Sol est un embryon de laboratoire de la métamorphose. Je crois qu'on en est arrivé à un point de maturité où on pourrait. Il s'est développé, je dis ça avant, il s'est développé au cours des 10 ou 15 dernières années une quantité de simili-organismes, de bidules, de trucs, de relations entre des entreprises et des associations, entre des fondations, des gens, j'appelle ça des nouveaux animaux parce que je ne sais pas les nommer, des tas de collectifs qui n'ont pas forcément de statut, pas forcément d'existence très affichée, mais qui jouent un rôle considérable déjà dans la construction d'une société différente. Je crois qu'on en est arrivé à un point où on pourrait vouloir délibérément créer des laboratoires de la métamorphose. Qu'on soit des nouveaux animaux déjà existants, ou même qu'on soit la puissance publique je crois que dans un pays comme la France, à plus forte raison dans un pays comme la Suède ou l'Allemagne, on peut imaginer créer des organismes discrets. S'il ne s'agit pas de décrets, de lois, d'organismes, de gens qui vont s'engager pour mener une action de catalyse, favoriser des évolutions ici,
favoriser des évolutions là. Ça peut être des... J'avais déjà suggéré une action de ce genre à Michel Rocard quand il était ministre du Plan du gouvernement Mauroy, il y a beaucoup d'années, en lui disant « Tu devrais prendre des jeunes élèves sortant tout juste de l'ENA, en choisissant ceux qui sont intraceptifs, qui sentent les phénomènes sociaux, et en les faisant intervenir, non pas d'une façon comme l'État, mais comme des catalyseurs qui vont favoriser les évolutions dont on croit qu'à tel endroit, dans telle région, elles sont favorables. » Eh bien, je crois qu'on en est au point où il pourrait y avoir... La séance que j'ai faite à l'IFOR il y a un mois et demi, avec 100 ou 200 fonctionnaires j'ai eu l'impression que j'étais assez bien reçu et que il y avait parmi ces gens beaucoup de fonctionnaires d'un certain rang qui sentaient que bien la société elle évoluait comme ça, qu'il faudrait accompagner son changement, qu'ils en seraient bien, ils aimeraient bien en être, mais leur boîte elle fonctionne pas comme ça pour l'instant. Ça me paraît mûr pour que on déclenche une action consciente, délibérée, pas trop affichée, pas secrète, peut-être secrète dans certains cas, peut-être affichée dans d'autres, pour fabriquer de la métamorphose, pour appuyer la métamorphose. Alors, il y a deux ou trois, je ne sais pas si c'est deux ou trois, principes essentiels. Il faut laisser faire le vivant. Le vivant a de bonnes idées. Mais il faut se méfier. Parce que le vivant, il a aussi quelquefois de mauvaises idées. Alors, il faut accompagner, être très vigilant pour s'il y a des mauvaises orientations, les arrêter en temps voulu avant qu'il soit trop tard. Et ça doit gouverner les laboratoires de la métamorphose. J'ai réellement envie de dire il faut fabriquer des laboratoires de la métamorphose, venant de la société des gens, venant des dirigeants d'entreprises, venant des dirigeants politiques. Je crois que c'est mûr pour qu'il y ait des volontaires pour y aller. Alors, je ne sais pas comment il faut faire, mais si j'étais, je montrais des laboratoires de la métamorphose. Je serais consultant au laboratoire de la métamorphose. Je créerais une COFREMCA qui, avec un groupe de patrons, avec un autre groupe de hauts fonctionnaires, avec un groupe de nouveaux animaux, j'essaierai de créer des laboratoires de la métamorphose dans les différentes régions, dans différents pays, qui formeraient un réseau plus ou moins interconnecté, vaguement interconnecté. Oui, c'est ça que j'aimerais faire si j'avais 24 ans.